À l'image du match contre Niort, même si tout n'était pas parfait, montrer qu'on veut bien finir la saison et qu'on a encore des points à prendre. Nous, on veut être plus concernés que l'adversaire. En tout cas, à chaque fois, ça va être ça sur le leitmotiv. C'est une équipe comme nous qui n'a pas grand-chose à jouer. Et j'ai envie qu'on soit plus présent qu'eux. En tout cas, montrer qu'on ait envie de montrer plus de choses. C'est surtout ça qui m'intéresse parce qu'on ne veut pas s'arrêter là. On avait cet objectif des 50 points, mais on sait très bien et on le sait depuis le début qu'on veut. On veut évidemment faire plus, surtout qu'on avait tourné en 30 points à la phase aller. Donc essayer de s'en rapprocher sur la phase retour. Le groupe contre Niort a montré qu'il l'était encore. C'était pas le match avec le plus d'intensité, mais on a su le faire. J'espère qu'on saura le répéter. Voilà, un déplacement assez long, mais jusqu'ici, j'ai rarement été déçu dans l'état d'esprit. Voilà, on a pu avoir des manques ou des choses qui nous ont manqué, mais rarement sur l'état d'esprit. Voilà. Donc, je vais insister beaucoup là-dessus. Oui, il n'y a pas d'enjeu extrêmement important, mais c'est toujours important d'être devant son adversaire, d'être bien classé, parce qu'on est à 3 points de la quatrième place. Derrière, ils sont à 6 points de nous, eux, ils sont 10e, je crois. Donc, valoriser la saison qu'on a faite, ça c'est important sur la fin de saison, c'est montrer qu'on a notre place dans cette première partie de tableau et pourquoi pas encore gagner des places si on arrive à être performant. Alors d'ici la fin de saison, il y aura des joueurs qui ont besoin d'être relancés, là il y en aura aussi certainement des changements, il y aura un peu. J'ai des objectifs dans ma tête entre certains joueurs que j'ai envie de voir de nouveau parce qu'ils l'ont mérité ou simplement parce qu'on a envie de voir sur des plus jeunes. Ouais, mais comme j'ai déjà dit, on joue toujours les matchs pour les gagner. Donc c'est vrai que ça reste un match important. On a fait 30 points sur la phase aller. J'espère aller faire un bon match. Et c'est sûr que si les deux équipes ne jouent pas le match, on va clairement se faire chier. Donc avec les 7 heures de but, j'espère quand même qu'on y va pour faire un bon match. Voilà, il n'y aura pas grand-chose à jouer sur le championnat, mais voilà, prendre du plaisir. Il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat, donc le groupe va changer l'année prochaine. Donc c'est vrai que si nos derniers matchs tous ensemble, donc je pense qu'on a réalisé une belle saison, mais il faut bien la terminer. Ouais, c'est vrai que le staff a mis en place plutôt des choses ludiques, on fait plutôt des jeux bannis, tout ça, donc ça met un peu d'enjeu. Et c'est vrai que c'est intéressant, il n'y a personne qui lâche, tout le monde est encore à 200% et j'espère que ça se verra ce week-end. Ouais, c'est un stade un peu froid, c'est vrai que c'est grand, il n'y a pas grand monde, mais voilà, faut pas tomber là-dedans, il faut que nous on se motive dans notre groupe. Et puis voilà, je pense qu'eux aussi ont à cœur de faire quand même un bon match parce qu'ils ont quand même un gros budget, un gros effectif. Et voilà, pour l'instant, il me semble qu'ils sont 10e, je pense qu'ils espèrent finir le plus haut possible d'ici la fin de saison. Ouais, C'est c'est pas une mal handicapé. saison mitigée, c'est vrai que j'aurais espéré plus jouer. Après, je pense que je me suis blessé au mauvais moment, c'est comme ça. Et malheureusement, j'ai eu une grosse blessure. Mais à l'heure actuelle, j'ai plus mal, donc c'est le plus important et je suis à 100%.